le peuple d'Éthiopie n'en a pas voulu à Makeda, car le père de son enfant était béni Elisha Béer. Salomon avait donné tant de sagesse à leur reine que personne ne lui en voulait de son amour pour le roi. Son fils est né et elle l'a choyé. Ménélik a grandi. Devenu un homme, il a demandé à voir son père. Makeda avait peur de son départ. En le regardant, elle voyait Salomon. Il ressemblait tellement à son père. Elle a compris qu'il était temps. Ils devaient se rencontrer, le père et le fils. Mets cet anneau, mon fils, va rencontrer ton père. Il te reconnaîtra. Dis-lui de te donner tous les conseils dont tu as besoin pour gouverner, car à ton retour, tu deviendras empereur d'Éthiopie. Demande-lui un des voiles qui recouvre l'arche d'alliance, venue de Zion céleste, contenant les tables de la loi, le bâton et le bol. Elle a demandé à Tamrin d'emmener Ménélik avec des gardes et des serviteurs, ainsi que des cadeaux pour Salomon. La caravane était longue. La parole va plus vite que l'homme, le vent l'emporte. La parole va plus vite que l'homme, le vent l'emporte. Salomon a entendu parler d'un homme qui lui ressemblait et qui approchait de Jérusalem. Un messager est arrivé en lui disant: il te ressemble, il marche comme toi. Je ne lui ai pas parlé, mais ses serviteurs m'ont dit qu'il venait te voir. Salomon était heureux, ce devait être son fils Ménélik. Il n'y avait qu'un fils pour ressembler autant à un père. Le chef des armées de Salomon est allé à la rencontre du jeune homme et lui a dit que son père l'attendait, qu'il était le bienvenu, qu'il était chez lui. Le chef des armées est parti un peu en avant pour prévenir Salomon de l'arrivée de Ménélik. Ménélik est arrivé devant son père et ils se sont enlacés. Mon fils, je te ferai roi d'Israël. Salomon voulait qu'il reste à Jérusalem, mais Tamrin lui répétait inlassablement: Ménélik ne restera pas ici, il doit régner sur l'Éthiopie. Sa mère l'a laissé venir pour que tu l'aides à devenir empereur en lui donnant ta sagesse. Elle te demande aussi un des voiles qui recouvre l'arche d'alliance pour avoir un peu de Zion céleste en Éthiopie. Salomon n'a pas réussi à faire changer d'avis Ménélik. Il a réuni tous ses conseillers et leur a dit: mon fils ne régnera pas sur Israël, mais je veux lui donner toutes les chances de régner en bon roi sur l'Éthiopie. Vos fils aînés à qui vous avez transmis votre savoir vont devenir les conseillers de mon fils. Azarias, fils de Sadoc, en sera le chef. Ici nous régnerons, là-bas nos enfants régneront sous notre regard bienveillant.